Salut pour ça, c'est Polo et bienvenue sur Pokémon Let's Go Pikachu. Alors ceci est un jeu qui vient tout juste de sortir sur Nintendo Switch que j'attends depuis longtemps. J'ai tellement hâte de jouer à ça, vous ne savez pas à quel point je l'attends depuis son annonce. C'est fou, oui! Alors on peut enfin attraper des Pokémon de la première génération et seulement de la première génération parce que c'est la meilleure génération au monde. Selon moi en tout cas, j'ai grandi avec ça. Quand j'étais un petit cul, je regardais Pokémon à la télé et c'était la version québécoise de l'émission, ce qui est vraiment bizarre parce que, ben en fait c'est pas bizarre parce que j'habite au Québec, mais dans la version québécoise, les noms des Pokémon sont en anglais, je veux dire, ouais c'est ça, sont en anglais, mais les personnages parlent en français. Donc, je connais seulement les noms des Pokémon en anglais et non en français. On va se débrouiller, on s'en fout, let's go les amis! Alors ce qui est bizarre, c'est que dans ce jeu, on utilise seulement un Joy-Con, même pas deux Joy-Con, non, un Joy-Con! On va voir ce que ça donne lorsque vous utilisez un Joy-Con attaché à la Dracon comme indiqué. Je ne l'ai pas! Présenté par Game Freak! Bito Pikachu! Il est tellement cute, Pikachu, man! En passant, c'est ça, j'ai acheté la version Pikachu du jeu. Ok, voilà, donc ça me tente de jouer en anglais, mais on va le faire en français pour le bien de la vidéo. Donc, commencez! Parce que d'habitude, quand je joue à des jeux de Pokémon, c'est toujours en anglais. Alors, si je connais pas les noms des attaques en français, c'est tout à fait normal. Parce que je joue toujours en anglais d'habitude. Bien le bonjour, bienvenue dans le monde incroyable des Pokémon! Mon nom est Chen. C'est ça son nom français? C'est pas Dr. Oak? Oh, ok, c'est bon. Mais les gens m'appellent amicalement le professeur Pokémon. On dit Shen ou Chen? Je vais dire Shen, c'est bon. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Et ces Pokémon, vois-tu, certains adorent les chouchouter. Tandis que d'autres préfèrent les mener au combat. Pour ma part, j'ai fait de l'étude des Pokémon ma profession. Mais assez parlé de moi, dis-moi un peu plus sur toi. Moi je m'appelle Polo, bienvenue. Oh, à quoi je ressemble? Ben, je ressemble à aucune de ces personnes pour être honnête avec vous, mais... j'ai des cheveux noirs, donc cheveux noirs. Et ma couleur à peau, beige. Je dirais jaune, mais je suis pas un bonhomme des Simpsons alors. Mais bon, en tout cas, on va prendre ce bonhomme. Et comment t'appelles-tu? On va écrire Polo là, let's go! P-O-L-O, voilà! Je vois, tu t'appelles Polo, oui! Mon rival! Ah, et ce garçon, vous êtes amis rivaux depuis votre plus tendre enfance, n'est-ce pas? Il s'appelle, J'ai envie de mettre un... Ah, mais vraiment, ok, on va l'appeler Noob. Attendez. Noob. Voilà, je vais pas utiliser de mauvais mots, on va juste... Noob, tu dis? Ouais. Il s'appelle Noob. Mais oui, c'est bien Noob. Oh, il était moqué, Pikachu. Polo, t'as quel de Pokémon sur le point de commencer? Un tout nouveau monde de rêves, d'aventures et de Pokémon t'attend. Bonne chance! Pika Pika! Non? Il fait pas Pika Pika avant de sauter sur l'écran? Hey, ils ont une Nintendo Switch, ils sont bien riches! Mais moi, si je vivais dans le monde des Pokémon, j'aurais même pas de Nintendo Switch. J'aurais rien à la maison. Je serais toujours dehors à aller chasser des Pokémon. Ok, wouhou! Donc, que dois-je faire? Est-ce que je peux interagir avec ça? C'est une Nintendo Switch, elle est branchée à la télé. Ok. Non, c'est pas une Nintendo Switch, c'est une télécommande, voyons donc. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? Combien de Pokémon peut-il bien avoir dans le monde? 150 quelques. C'est un numéro de noob. Salut Polo, vu qu'on va bientôt avoir nos propres Pokémon, voilà mes notes sur le code de Ditressa. Appuyez sur le bouton A pour parler aux gens, inclinez le stick à fond pour courir, appuyez sur le bouton X et sélectionnez sauvegarder pour enregistrer la partie.
J'espère que ça te sera utile, noob. On dirait qu'il m'a traité de noob, mais je sais très bien qu'il m'a pas traité de noob. Bon, on va sauvegarder, puisqu'il m'a dit de sauvegarder. Let's go! J'ai déjà 3 000 $. Je suis bien riche, oui. Donc, y a-t-il autre chose que je puisse faire? C'est une peluche en forme de Pikachu, elle est toute douce. C'est ça, c'est le meilleur Pokémon au monde, voyons donc. Noob, yo, c'est moi! Yo, yo, t'es de beau polo, je monte. Non, c'est quoi ton problème, man? Salut! Ah ah, tu devrais voir ta tête, tu viens d'héberger ou quoi? Oh, tu rêvais pas des petits Pokémon Flash Info, mon pote? Arrête de rêvasser, ce couteau le popotin est en aura un! T'as oublié ou quoi? Aujourd'hui, on doit aller voir le professeur Shen pour recevoir nos Pokémon, c'est le Grand Jude! On va enfin devenir dresseur! Ah, en fait! Je sais pas si t'as vu, mais je t'ai envoyé un email hier, j'ai dit un œil avant de partir, et si tu l'as pas encore lu. Bon, je fonce, je t'attends chez le professeur Shen. Je peux pas dire professeur Oak? Mais bon, en tout cas. Shen. Hey, what? Est-ce que mon père est blanc? Allez, hop, mon chéri, il est grand temps que tu ailles voir le professeur Shen. Si j'ai bien compris, compte vous donner un Pokémon chacun à Noob et toi. Ok, peut-être tu m'as adopté aussi, on sait jamais. Il y a un film à la télé. Un garçon aux cheveux bruns brandit une baguette magique. Bon, il serait temps d'y aller. Est-ce que t'es en train de parler de Harry Potter? En voilà de la vaisselle bien rangée. Ok, ouais, c'est bon. Je crois que je vais pas interagir avec ce qu'il y a dans la maison. On est là pour aller chasser des Pokémon, pas pour faire la vaisselle, voyons donc. Est-ce qu'elle vient de me draguer? Est-ce que tu viens de me draguer? Oh, oh. J'élève des Pokémon, quand ils seront assez forts, ils pourront me protéger. Oh, t'as besoin de protection, toi. Le pouvoir de la science est formidable. On peut désormais connecter sa console avec son ordiphone, enfin je veux dire smartphone, pour échanger des données. Intéressant. Donc, cet endroit, c'est... je crois qu'en français c'est Bourg-Palette. Est-ce que c'est ça? Le Bourg-Palette? Pas ça, 100%. Merci, brave petit Roukoul. Roukoul, c'est... Pidgey. Ouais, Pidgey. J'ai encore appris de nouvelles choses sur vous, c'est fou. La vie n'est que découverte. Au revoir, les Pidgey. Tiens, Polo, quel bon vent t'amène. Ah oui, je dois vous donner des Pokémon à Noob et toi. Allons à mon labo, mon jeune ami. Tiens. Mais... Hey, brother! What up, dude? Oh! C'est le coup de foudre! Tu vois ce que je veux dire? Un Pikachu sauvage apparaît? Un Pikachu, ils sont vraiment rares par ici! Profite donc de cette occasion pour t'entraîner à la capture de Pokémon! Pour l'attraper, lance une Pokémon sur lui et vise bien sur tout! Donc c'est ça, on va jouer à Pokémon Go, mais à la maison. Pointez le Joy-Con en direction de la Pokéball affichée à l'écran. Ok. Dans cette position, sélectionnez l'option lancer en appuyant sur le bouton A. Ok. Attendez. Imitez un mouvement de lancer avec le Joy-Con pour envoyer la Pokéball. Ah, ok. Faites attention à ce qui vous entoure lorsque vous effectuez le mouvement. J'avoue, j'ai juste un micro devant moi, man. Et... Wouh! Ah, ok, j'ai pas le bon timing. Voyons donc. J'ai tenté de faire en sorte que le cercle soit super petit avant de lancer ma Pokéball, mais faut le faire un petit peu plus en avance. Ouais. Formidable, tu t'en sors très bien pour une première capture. Merci. Tu peux ramasser la Pokéball maintenant et donner un surnom à ce joli Pikachu. Non, je vais pas donner de son nom. Quoi? Incroyable, Mew, tu es pas en place, je n'ai jamais vu un loustique pareil. Et attends, reviens ici, petit fripon. Non, mais... Où est-ce qu'il s'enfuit avec la Pokéball, man? Il fout dans la tête. Professeur Shen, il n'y avait que 2 Pokéballs sur la table la dernière fois que j'ai regardé et maintenant, il y en a 3. Comment ça se fait? C'est normal, Polo vient de capturer un petit Pikachu. Il est dans la 3e Pokéball. Sérieux, Polo a fait ça tout seul? Waouh, Pikachu, t'es fou dans la tête?
Wow, ça a bougé! Ah ah, c'est marrant, tiens! Polo Roller est venu de changer une Pokéball, saisis-toi de ton destin! Mais c'est sûr que moi je veux mon Pikachu! Give me my Pikachu, bro! Il est tellement cute, regardez ça! Ah, mon ami! Pika Pika! Non, mais je me rappelle, dans les premiers épisodes de Pokémon, Pikachu faisait tellement chier au protagoniste. C'est fou! Pikachu est désormais votre Pokémon. Dis donc, il n'est pas banal, ce petit Pikachu. Il a l'air vraiment très attaché à toi. Tu veux lui donner son nom? Pika Pika! Voulez-vous donner son nom à Pikachu? Non! Pikachu a rejoint votre équipe. Prof, je vais prendre celui-là à moi. Nous, on tient Evoli. Ça, c'est Eevee en anglais. Ok, Evoli, c'est Eevee. Ok, c'est bon. Il est trop adorable, ça tombe super bien. J'ai toujours rêvé d'avoir un Evoli. Ok, alright. Un petit novice qui attrape lui-même son premier Pokémon, c'est pas courant. C'est même la première fois que je vois ça. Est-ce que je peux prendre cette Pokéball? Cette Pokéball contient un Pokémon? Allez, mets ça dans ta poche. On dirait que non, alright. Donc, c'est un livre intitulé « Les meilleurs poèmes sur les Pokémon » par le professeur Shen. Ok. C'est un email pour le professeur Shen, lisons-le discrètement. Avis au plus grand dresseur de Pokémon, vous pensez être au sommet de votre art? Vous êtes en quête d'un nouveau défi? Alors venez rejoindre la foule des dresseurs qui se massent pour affronter le Conseil 4! QG de la Ligue Pokémon, Plateau Indigo. PS, professeur Shen, nous attendons votre prochaine visite avec impatience. Oh, yeah! Tiens, une photo du professeur Shen. Il se tient devant un beau bâtiment. Il est très souriant. Ah, ok. Est-ce que je peux prendre les Pokémon qui sont là? C'est une balance, ça sert peut-être à peser les Pokémon? Les Pokémon ont été placés dans une étrange machine. Tu l'as dit, Bouffy, pour être étrange, c'est étrange. Alors, petit rival, il est trop adorable, blablabla. Ok, d'accord. Donc, un petit novice qui a là, c'est pas courant, ça va. Voilà. Ok, c'est bon. Un instant! Maintenant que vous êtes de jeunes dresseurs, j'ai une faveur à vous demander. Et pour cela, je dois vous donner une chose bien utile. Le Pokédex! C'est quoi? C'est un petit bijou que j'ai mis au point moi-même. Je vous présente le Pokédex! Il enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou capturés. C'est comme une encyclopédie high-tech. Polo, noob! Il vient de me traiter de noob, voyons donc. En voici un pour chacun! Vous obtenez un Pokédex! Merci beaucoup. Merci. Attention, par contre, il ne suffit pas de voir un Pokémon pour automatiquement tout connaître à son sujet. Il faut réussir à l'attraper, hein? J'ai toujours rêvé de créer un guide recensant les Pokémon du monde entier. Mais pour être honnête, je n'ai plus l'âge pour ça. Alors je compte sur vous pour reprendre le flambeau et réaliser mon rêve. Allez, roulez jeunesse, que la grande quête des Pokémon commence! Un Pokédex, ça me parle! Rencontrer un max de Pokémon, c'est exactement ce que je veux. D'ailleurs, je fonce direct, prends ton temps, Polo, vas-y à ton rythme. De toute façon, quelque chose me dit qu'on se recroisera très vite. Ouais, c'est vrai, bon ben... Wouh! Le professeur Shen est l'une des plus grandes autorités en matière de Pokémon. Cela lui vaut l'admiration de beaucoup de dresseurs. Et là, j'assiste le professeur Shen, je suis donc son assistant. Logique. Il est impossible d'agir face au Pokémon sauvage sans Pokéball. Il faut en acheter à la boutique Pokémon. C'est vrai, il m'a pas donné le Pokéball. Est-ce que j'en ai avec moi? Pour attraper un Pokémon, rien ne sert de se battre et de l'affaiblir. Il faut lancer une Pokéball. Pas comme dans les autres jeux vidéo de Pokémon. J'assiste le professeur Shen, je suis donc son assistant. Il se téléporte. Ce mec, il se téléporte. Waouh. Hey, maman! Oh, mais qu'il est trop mignon, c'est le professeur qui te l'a donné. Quoi, tu l'as attrapé tout seul, comme un grand? Mais c'est merveilleux, bravo! Et c'est quoi son petit nom? Pikachu? Enchanté, Pikachu! Eh ben, il a de l'énergie à revendre, ce petit. Donc, ça y est, vous partez à l'aventure tous les deux. J'attends, j'ai exactement ce qu'il te faut. Vous obtenez une carte. Ah, c'est vrai, il faut pas se perdre. Vous mettez la carte dans le sac.
En ouvrant la carte qui est dans ton sac, tu sauras exactement où tu te trouves. Allez, je vous laisse vous amuser, mes amours. Profitez bien. Merci, maman, de laisser un petit bonhomme qui n'est même pas un ado partir en voyage pour attraper des Pokémon. Yo, les mamans, ils sont folles dans la tête, hein? Laisser leur petit-fils partir comme ça. Mais bon, je peux pas utiliser la carte. Donc, mon équipe. J'ai juste un petit Pikachu niveau 5, ok? Mon sac. Oh, boîte Pokémon, trousse de soins, boîte CT, poche à renfort, poche de combat, poche de capture, mal à costume, bonbonnière, carte. Waouh, il y a beaucoup de trucs, c'est pas grave. Mais je suis sûr qu'on va nous apprendre à utiliser tout ça au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Donc, je vais pas regarder ça tout de suite. Waouh! Ok, ça c'était fort. Comment ils ont ouvert le Pokédex, ça c'était super fort. Donc, est-ce que t'as quelque chose à dire devant mon Pikachu? Ok, non, il dit la même chose. Il voit pas que j'ai un Pikachu et il veut rien dire en fait. Mais bon, en tout cas, let's go! On part à l'aventure, route 1! Pour trouver des Pokémon, il faut pas se promener dans le gazon, hein. Non, en fait, il faut se promener dans le gazon, mais on voit les Pokémon dehors comme ça. Oh. Tu vois tous ces petits talus? Tu peux les enjamber d'un bond. Ça fait un peu peur, mais ça permet de revenir plus vite à bon palette. C'est là, dit Buffy. Allez, ratata! Allez, ratata sauvage apparaît. Ok, son nom, il paraît en anglais aussi. Donc, Ed, qu'est-ce que c'est que ça? Voulez-vous lire les explications sur l'ancien Pokémon? Pas du tout. Donc, lancez! Attendez, c'est le bon... What? Yo, il m'a... Le bon timing, c'est maintenant, genre. À peu près. Easy game! Et hop, vous avez attrapé Rattata. Donc, Rattata niveau 3, bonus multiplicateur, fois 1.8, nouveau Pokémon, capture au premier lancé, lancé technique, point d'expérience 14. Votre Pokémon a gagné 14 points d'expérience, même si j'ai pas fait de combat. Mais bon. Les données du Rattata ont été ajoutées au Pokédex. Ils peut ronger n'importe quoi avec ses deux dents. Quand on en voit un, il y en a certainement 40 dans le coin. J'en ai pas vu 40. Mais bon, en tout cas, je sais pas s'il est grand ou pas. Je crois pas qu'il soit grand, 0.25 mètres, hein, comparé aux autres Rattata. Mais bon. En tout cas, on y va, les amis. Rattata rejoint votre équipe. Thank you very much. Où sont les 40 Rattata? Mais ils sont pas là. Alors lui, il s'appelle Odish en anglais. En français, c'est quoi son nom? Mister. Ok, Mister, il faut que je m'habitue à ça. Mister. Wow! Oh, il a fait son spot! Wow! What? Ah, oh, c'est vrai, j'ai pas appuyé sur lancer, ma balle. Quoi? Ah, oh, c'est trop loin. Ok, c'est bon, c'est bon. Attendez. Ouh, c'est le début, il faut... Je suis en train de faire des tests en ce moment, alors c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, vous avez vu? En faisant des tests, on apprend à bien jouer! Et hop, vous avez attrapé Misterbe. Multiplicateur 2.4? Pourquoi cette fois-ci c'est 2.4? C'est parce que j'ai réussi à lancer la Pokéball dans le cercle, je pense. Je suis pas sûr à 100% pour être honnête avec vous, mais bon. Les données du mystère m'ont été ajoutées au Pokédex. On le confond souvent avec de l'herbe. Si on essaie de le soulever du sol, il pousse un cri terrifiant. Intéressant? Intéressant? J'ai pas entendu son cri terrifiant là, mais bon. Alors, qu'arrive-t-il si on attrape deux mystères? J'allais dire Odish. C'est son nom en anglais, Odish. Bon, regardez ça. On va réussir notre coin une autre fois. Ouh! Non. C'est comme ça. Le bro, il m'a attaqué. Wow. Ok, non, ça c'est... J'ai peur de taper mon micro qui est juste devant moi, c'est ça le problème. Et j'ai raté mon coup. Non. En ce qui concerne le cercle vert, bien sûr. Et hop, vous avez attrapé Misterbe. Donc, multiplicateur 1.2 de Benanable. Wow, montée de niveau, thank you very much, je me suis même pas battu. Ok, c'est bon. Il apprend Vive Attack. Ah, ok. Vive Attack, c'est... Quick Attack, je pense. Combo Capture 2, continue comme ça. Ok, attends. Je peux le voir en mouvement. Donc,
Son cri, c'est ça. Ok, animation suivante. Oh, c'est nice qu'on puisse voir ces animations comme ça. C'est vraiment nice. Ok, c'est bon. Je me rappelle avoir dans le temps, si on voulait, comme si on voulait trouver des Pokémon, il fallait faire ça. Là, on attendait le RNG pour voir quel genre de Pokémon on allait trouver. Oh mon dieu! Pidgey! Rukul, je veux dire. Rukul. Je crois que je vais jouer avec la main gauche comme ça. Je lance pas mon truc sur le micro. What the? Je crois que je vais attendre que ça soit un peu plus gros, hein. J'entends toujours que ce soit super méga ultra petit pour lancer la Pokéball. Ce n'est pas une bonne chose selon moi, mais bon. Ratata monte au niveau 4. Ok. Donc, les données du Rukul ont été ajoutées au Pokédex. De nature très docile, il préfère projeter du sang pour se défendre plutôt que de contre-attaquer. Oh, ok, c'est bon. Donc, merci de rejoindre mon équipe, mon ami. Alors, est-ce qu'on peut faire une petite bataille Pokémon? Oh, il est joli, le Pokémon qui t'accompagne. Moi aussi, j'en ai un. Je vais aller le chercher et après, on se fera un combat. Ah, oh, dommage. Mais qu'as-tu vu, Pikachu? Pikachu a trouvé quelque chose dans le buisson. Une baie frambie. Vous mettez la baie frambie dans la poche de capture. Ok, attendez, laissez-moi voir quelque chose. Baie frambie. C'est où les trucs de baie? Attends, poche de capture. Baie frambie. Une baie a donné à un Pokémon sauvage pour pouvoir l'attraper un peu plus facilement. Une baie a donné à un Pokémon sauvage au moment de la capture pour le calmer un court instant. Et j'ai 41 Pokéball. Oh my god, j'en ai casse-pieds une tonne, c'est pas croyable, man! Mais vous savez quoi? Ce jeu est trop génial, oui! Alors les amis, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Donc si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe dans le ciel, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!